Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peintre argentin venu vivre en France après quelques péripéties. Bonjour, je suis Marc le Goûteur d'art et vous êtes sur le site Le Naba. Et donc, je vais vous parler de Dan Casado. Et plutôt que de vous montrer mon visage, vous allez être peut-être plus intéressé de voir son visage à lui et surtout son travail et la manière dont il travaille. Donc Dan Casado, je l'ai rencontré lors d'un vernissage, mais j'avais déjà repéré son travail sur Internet. Et pour être précis, c'est un vernissage à Lyon, à la galerie d'Alain Détinger. Et si vous êtes à Lyon ou de passage à Lyon, allez faire un tour à cette galerie. Vous pouvez même y aller de ma part. C'est quelqu'un de très sympathique et qui présente des choses intéressantes. Donc, j'avais rencontré Dan Casado et puis sa compagne Julia Sissi et on avait convenu que j'allais le rencontrer dans son atelier chez lui. Mais voilà, c'était un petit peu loin, on a pris rendez-vous et donc j'ai été chez eux. Ils étaient aux confins de la Creuse, non loin de Ussel, vraiment la campagne profonde en France. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Dan Casado est né en Argentine, ça je vous l'ai déjà dit, en 1956. Alors vous pourrez calculer son âge aujourd'hui. L'année 56, c'est loin d'être une année anodine. Parce que pour ceux qui ne sont pas férus d'histoire, c'était aussi l'année d'un soulèvement insurrectionnel en Argentine. Bon, voilà, déjà ça marque un petit peu sa naissance. C'est aussi l'arrivée de Nasser en Égypte et puis dans la foulée de la guerre de Suez, ce qui aura quand même un petit peu bouleversé le monde de l'époque. C'est aussi l'invasion de Budapest par l'armée rouge de l'URSS. Toujours dans la même tonalité, c'est l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Donc voilà, ça marque quand même un petit peu les choses. Le premier souvenir d'enfance de Dan Casado, ça vient d'une de ses tantes qui lui a offert des crayons. Et bon, je ne suis pas psychanalyste, mais bon, je pense que déjà, il y avait quelque chose qui se marquait. Et c'est probablement un petit peu là que se trouvent les origines, ou en tout cas, qu'il y a eu un déclenchement. Un peu plus grand, il n'était pas très attentif à l'école, bon, ça arrive à beaucoup d'enfants, mais il dessinait. À tel point que les camarades lui demandaient de les fournir en dessin. Et d'ailleurs, par rapport au dessin, Dan Casado a un cerveau qui fonctionne pas tout à fait comme tout le monde. Par exemple, il mémorise essentiellement des images et des sons. Donc, par exemple, si vous lui demandez une direction, il ne va pas vous dire je suis passé par telle ou telle route, mais il va vous dire ah oui, mais alors là, à tel endroit, il y a tel mouton, donc là, faut tourner à gauche. Là, il y a un arbre, tu sais, l'arbre avec les feuilles de telle ou telle couleur, là, il faut tourner à droite. Donc, il a une mémoire visuelle, et par contre, c'est très pratique pour reconnaître les visages. Il peut croiser une personne une fois, et se souvenir des années après, la première fois qu'il l'a rencontré et à quel endroit précisément c'était. Mais voilà, Dan a grandi et puis une fois qu'il était en ville, il est tombé sur une exposition des étudiants en art de sa ville. Et c'était l'exposition annuelle. Et Dan Casado a alors décidé que c'était cette voie qu'il allait suivre. En 1975, il est rentré précisément dans cette école pour devenir graphiste. Avec le recul, il considère que le niveau de l'école n'était pas très bon. Mais bon, visiblement, ça ne l'a pas empêché de lui faire sa route.
Et puis, une fois qu'il a suivi le cursus et que ça a été son tour de participer à l'exposition de fin d'année, il a fallu qu'il produise quelque chose. Et donc, il a commencé à faire un dessin à l'encre de Chine. Je sais pas, ça paraît peut-être complètement normal à 3 heures du matin. Et Dan Casado s'est lancé dans son dessin et il était comme dans un état second. Et il s'est pas rendu compte du temps qui passait et il n'a pas visiblement complètement contrôlé ce qu'il dessinait. Il me dit c'est un peu comme si le dessin avait pris le dessus sur lui. En apparence, c'est un paysage très très sombre, mais si on y regarde un petit peu mieux, il y avait un visage qui s'y cachait. Et pourtant, c'est seulement une fois qu'il a terminé le dessin qu'il s'en est rendu compte. Pour les plus romantiques, une étudiante a vu le dessin et a absolument voulu voir qui avait fait ce dessin. Mais bon, c'est une autre histoire, c'est pas le moment de raconter ça. Et l'Argentine, c'était une dictature à ce moment-là, et dans les dictatures, on plaisante pas. D'ailleurs, c'est assez généralement le cas, hein, dans les dictatures. Des amis de Dan Casado ont été tués à l'âge de 17 ans. Un jour, un professeur de l'école de dessin a disparu, tout simplement. Et pour rendre le contexte un petit peu plus global, pendant la guerre des Malouines, des enfants de 15 ans étaient envoyés au front, où ils mouraient plus de faim et de froid, bah oui, c'est des terres australes, que de combat. Donc, ah oui, je vous avais parlé d'une étudiante. Bon, je vais vous en dire un petit peu plus. C'est avec cette étudiante qu'il est parti clandestinement à Barcelone, en Espagne. Pour gagner leur vie, ils achetaient de la pâte à papier qui était vendue pour fabriquer des personnages de carnaval. Avec des moules en plâtre qu'ils fabriquaient eux-mêmes, la pâte à papier était utilisée pour faire ces personnages. C'était de l'artisanat d'art qui les a nourris pendant plus de 5 ans. Ensuite, Dan Casado et Julia Sissi, oui, l'étudiante s'appelait Julia Sissi, sont partis aux Canaries. Et là-bas, bon, ils ont continué leur travail, mais ils sont aussi intéressés à ce que faisaient les gens autour d'eux. Il y avait des gens dans la campagne qui ils faisaient des choses, des objets. Et la famille, les voisins se moquaient plus ou moins gentiment d'eux. Hein. Voilà, ils faisaient des choses, ça les occupait. Et puis, avec un regard extérieur, finalement, on pouvait considérer que c'était de l'art. De l'art brut, probablement, mais de l'art. Et Julia et Dan ont organisé des expositions. Et du coup, la valeur de leur travail a commencé à être connue. Du travail des gens de la campagne qui fabriquaient des objets. Et puis les circonstances de la vie, on va pas s'étendre, hein, les ont fait venir en France. Et ils sont arrivés avec pour seule richesse la voiture, remplie de tout ce qu'ils pouvaient mettre dans la voiture, et ils sont arrivés comme ça en France. Aujourd'hui, Dan Casado peint. Un petit peu plus que ça. La technique est un petit peu plus élaborée. Il utilise des journaux, des publicités. Alors, ça tombe bien, le facteur les fournit largement. On en a tous chez soi des tonnes de publicités. Alors, Dan n'est pas très consumériste, alors il les utilise pour de la peinture. Il colle ça par petits bouts sur sa toile avec de la colle pour la tapisserie, tout simplement. Et ensuite, il met des taches de couleur par-dessus, plus ou moins au hasard. Et il utilise des vieilles cartes de crédit ou il n'y en a peut-être plus tellement aujourd'hui, mais des vieilles cartes de téléphone pour étaler les couleurs.
Et puis de ce hasard, il l'utilise pour petit à petit faire apparaître des formes, des personnages et former les tableaux que vous pouvez voir. Mais j'oubliais une chose. L'étudiante là, elle est toujours avec lui. Ça fait 39 ans maintenant, mais ça c'est leur secret, n'en parler à personne.